select. Bye. Salut à tous, c'est Philatoras et je suis en compagnie d'Alonitami. Comme d'habitude, bonjour à vous, chers abonnés et visiteurs qui comprennent le français. Du coup, on va partir sur les darks. Bah oui, le côté obscur de la force. On va voir du point de vue, parce que bon, vous allez sûrement vous dire, mais comment, mais d'où vient Shadow? Eh ben, on va voir. Parce que Michel, pour les effets spéciaux, hein, on a pu voir. Michael Bay là. Oui, Dr. Robotnik, il n'a pas besoin de robots, hein, il y va tout seul, il en a rien à battre. C'est la première fois en fait qu'il fait tout seul, tout ce qu'il a besoin de faire. Et étrangement, c'est efficace. Alors là, on va voir l'efficacité des militaires, hein, franchement. Ils doivent arrêter un mec, ils n'arrivent pas à le faire. Ça fait longtemps, par exemple. On va changer. Tenez à m'excuser pour le premier épisode qui du coup... ça m'aurait été génial, mais bon. Là, du coup, j'ai baissé la qualité. Oh, Mouchao, qu'est-ce qu'il veut, là. Péter toutes les portes. Ou première fois qu'on joue Eggman, et la seule même, je crois. Mais après, on ne joue plus, hein. Du moins, on ne joue plus dans les nouveaux jeux. Mm. Sauf si on compte Sonic Mario aux Jeux Olympiques, mais bon. Oui, voilà. Est-ce que c'est vraiment un jeu? Non. C'est comme dire que, c'est comme dire que, je sais pas, que Wii Sports c'est un jeu. Là, j'ai l'impression qu'ils ont genre pris le level de Taze, mais à l'envers. Peut-être qu'une impression, mais... Bah, ça se passe dans la base, en fait. Ouais. Même je suis con, c'est pas le même endroit, si. C'est pas la prison. Non, ils ont pris dans la base. Si, c'est la prison. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on y revient deux fois, en fait. Mm. Ils sont cons, quand même. On vient pour leur péter la gueule et ensuite ils pensent pas que peut-être on va revenir. Ah, les militaires. Et... Ah, alors les phases d'ascenseur. Hein. Ça c'est. Allez, c'est de tout ce que shooter. Attention, attention. Ça c'est lent. Ils vont me tirer dessus, quoi, tant pis. C'est débris. Mais y'a rien qui peut ralentir le jeu là, c'est quoi ce bordel? On a affiché. Des années plus tard. Putain. On tourne la caméra pour. Au moment où tu vas planer, tu vas tellement t'amuser. Oh là là, ouais. Allez, vous avez pu voir l'ennemi qui est invisible, hein, il donne un petit gros bonus de score. Ah. Mais bon, après il disparaît. C'est toujours intéressant de l'avoir. Pour avoir une bonne note. Oh oui, vas-y, rappelle-toi qu'à gauche, quand tu auras le bazooka pour péter, tu pourras avoir un oui. Bonus. Je crois que c'est les PV. Ou je sais plus, je crois. Je sais même plus. Oui, en gros, comme amélioration, il y a ça, il y a le bazooka, il y a les PV, il y a le... T'as une version améliorée du tir. Ouais. Et tu as aussi la chanson à la con. Oui. En fait, tout le monde l'a, en fait. Oui, ça. Ça sert surtout pour le Shao, en fait. Ouais, c'est pour une mission hors fait des niveaux. Mais bon, ne vous attendez pas qu'on le fasse. Oh là. On est là pour l'histoire, le reste.
Au pire des cas, on vous le montrera un épisode avec Identity Escape. Au pire des cas, c'était. Ouais, le petit tigre. Ouais, t'as petit gros. Moi, je trouve le seul intérêt de ces niveaux, enfin, au niveau du score, c'est vraiment faire les combos, quoi, c'est tout. C'est tout. C'est. Parce qu'au niveau vitesse, bon, il n'y a pas spécialement de technique, quoi. Ben, c'est du gamma, ça, sûr, tu vois. Oui. C'est du gamma, au mieux. Après, c'est sûr que c'est pas un niveau, c'est pas non plus passionnant, mais. Les 9. Ça fait son ça. Yosh! C'est le premier jeu dans lequel il y a les petits bonus de score comme ça, avec les petits textes. Ah oui, c'est vraiment cool. Ça a été repris dans Sonic Heroes, mais après je sais pas. Ben, il y a un truc dans. Il y a un truc dans Sonic Génération ou non? Je crois pas, non. Ah oui, c'est vrai, c'est juste quand tu vas dans les anneaux à la con et que tu fais. Et j'ai vérifié mon anecdote, hein. Quand tu. Alors, dans Sonic Génération, alors je sais plus. En moderne, je sais pas, mais en classique, tu perds pas tous tes anneaux. Ah, ok. Ah! Une anecdote inutile du jeu, merci! Merci au Moshao! Allez, ouais. Ferme ta gueule! Une anecdote inutile de Moshao, voilà. Le mec est là que pour ça, quoi. Ah non, tu vas pouvoir rajouter sur l'affiche. Oui, c'est ça. À côté de Froggy, de Pig, tu fous au Moshao. Le mec le plus utile au monde, hein. Vous voulez sauter, appuyez sur A. Active la commande. Non, il faut que t'active le script. Ah oui. Voilà. La porte en scénarium. Là. Il faut le momentum. Boum. Oui, parce que pour appuyer sur le bouton, le, on tire dessus. Le missile, et en plus, le missile qui tourne tout seul. Et puis c'est quoi l'intérêt de foutre un missile là? Si les mecs qui ferment la porte, ça sert à quoi? Pour l'ouvrir au cas où. Au cas où, écoute. On n'a pas mis de mot de passe sur la commande, mais c'est pas grave. Putain, au ralenti, c'est ridicule. Il y a le truc de la clé derrière. Allez, bam. Pas mauvais. Putain, mais 12 vies déjà. Mais non, oui, mais... maintenant ça se combine avec le. Oui, il se combine avec tout le monde, ouais, parce que là. Oh putain, il va en chier. Putain, mais cette texture magnifique, quoi! Ah, mais là, comparé à ce qu'on a. Hein... De toute façon, Dr. Robotnik et Shadow, les deux seuls qui ont une bonne texture, c'est ça. L'histoire. Et rouge qui a une bonne physique. Ah, mais top. Enter password. Maria. Maria. Now all I have to do is to place the Chaos Emerald. Moi, ce que je comprends pas dans ce jeu, c'est. J'ai l'impression que Eggman est tout le temps en train de parler doucement. Je sais pas, c'est. Le mec, en plus, le Dr. Robotnik, il a la très bonne idée de sauter dedans. C'est ça. La gueule du Dr. Robotnik. Non, ça c'est le plafond. Ok. Qui a osé réveiller mon réveil? Au moins lui est pas con. Oui, bah il s'en rend compte au bout de 5 secondes quand même. Since you were so kind to release me, my master, I will grant you one wish.
Cool, Shadow c'est un génie maintenant. Tu m'offres un McDo? Regardez les gars, je peux voler. Mais vous verrez pas dans le jeu. C'est ça. Ils auraient pu balancer, ils balancent quand même des boules d'énergie, il peut voler, il peut arrêter le temps, mais il n'est pas en jeu. C'est dommage ça par contre. Ok, oh putain, ça se joue que c'était ça, hop. Et voilà, vous voyez Shadow de Sasuke-like. Hein. Trop d'art, méchant. Fais gaffe aux anneaux. Ah bah bravo. La forme de vie ultime. C'est fil de la forme de vie du team de Fail, oui. Du coup, ils nous refarcissent, mais le même putain de boss que Sonic, c'est... Merci au Moshao. Si, je suis obvious. Par contre, c'est vraiment dommage quand même qu'il n'y a pas autant de différence quand même en fonction du Dark et... Justement, le fait de pouvoir, je sais pas, de faire justement ce que j'ai dit avec, je sais pas, balancer des boules d'énergie, c'est sympa. Voilà. Non. Non, la forme de vie ultime va mourir. Ah non. Ah, je peux plus sauter. Chose. Ah si. Ah non, non. T'as vu, il fait quelque chose contre moi, Sonic. Quoi? J'ai ça. Ouais, il fait pas ça. Ouais, donc il y a une différence. Il y a une différence. Arrête de péter les caisses quand je vais sauter après. Oh, mais quel connard. Et que Sonic, je l'ai défoncé, mais là. Ouais, mais t'as la forme de vie Fail Ultime, mec. Normal. Tu peux pas demander plus. Ah putain, ok, j'arrive. En fait, en spamant, t'arrives à monter quand même. Non, t'auras pas de renfort. Et bim. Regardez mes textures. C'est pas comme si Sonic pouvait le faire. Toi, t'étais où pendant ce temps? Ben, tu me caresses le corps et je t'offre un vœu. T'imagines, t'aurais donné cet exosquelette à Big? Oh putain, Big dans ce truc. Avec un canapé, je disais, j'ai un peu... Oh non! Non, mais ça c'est un épique dans Heroes! Non, bon, là c'est la même cinématique donc merde. Voilà. Voilà. Oh! C'est vrai que par rapport à Sonic en Turin, ils changent pas les dialogues, là, c'est vraiment les mêmes. Y a pas des mots qui changent, non, c'est. Faut dire que c'était quand même le dernier champ du signe. Hein. Écran géant. Puisque rappelle-toi que c'était le dernier jeu sur Dreamcast. Oui. Et ils l'ont bien réussi. Bon, après, on va dire oui, mais bon, il y a des problèmes et tout, c'est sûr. Les dialogues sont chiants, etc. Mais. Disons que ça fait son taf, quoi. Et c'était de l'époque. Quand tu regardes les séries de l'époque, ils étaient pas aussi. C'était aussi con. Alors, le système, hein. Regardez, on est la Team Dark, mais on protège une tortue, hein. Oui. C'est logique. Alors... Du coup j'avais un signal jaune là. Ah, il me dit quoi, peinture murale? Écran géant. Déjà il n'y a pas d'écran ici mais c'est pas grave. Plus bas. Devant une immense peinture de près de la petite oasis. Ah bah mais je me pose, elle est devant moi quoi. Coucou. J'ai débloqué ça. Premier étage des appartements, usage de pierre. Des appartements. On peut louer? On vit qu'il n'y a pas de truc, on va bouger.
nos petits. On a vraiment besoin d'une tortue. Système de voyage rapide. Nombreux trois. Putain, oui, merci. Qu'est-ce qui était trois? Le pack là. Non, je pense que c'était là-bas en fait. En tout cas, c'est des acteurs, rien. On va être bleu près de la fontaine. Merci. Putain, tu nous fais chier. Mais je le prends avec toi. Si, c'est par là. Ok. Ah, je crois que c'est dans un robot. Putain, une boîte bleue. Attends. Ah, attends là. Voilà. Je vois rien, caméra. Putain. Putain. Non. C'est quoi ça, le soleil? Il brille à travers la paroi. Mais c'est quoi ça? Ça, mon petit, c'est du verre. Pour ma tata. Je suis con, ouais c'est ça les boîtes bleues, oui. Ah non c'est ça. Voilà. S'en sortir, on va s'en sortir. Allez. Billy enchanté. Enchanté. What the fuck. Moi ouais, quand j'entends Billy enchanté, moi ça me fait penser à Chantagoya. Avec le monde magique. Ah, c'est ça un pignon enchanté, d'accord. Ouais. D'accord. Bon, elle veut pas monter. Ouais, elle est trop conne. Hein. M'explique comment ça monte. Je sais pas si une chauve-souris. Des... Bah non. Ah oui, c'est quoi une chauve-souris qui grimpe, je sais pas. Non, une chauve-souris ça grimpe. Ouais, mais ça vole plutôt, je sais pas. Ça grimpe, ça vole aussi, mais ça grimpe. Ah putain, là en haut, ok. Bim! Du moins, c'est sûr que c'est con ça. Ça vaudrait plus des montres magiques, comment ça serait pété comparé à Knuckles. Je veux dire que ça serait plus intéressant. Je suis sûr qu'il y avait plus de budget dans son maquillage, de la texture dans son maquillage que dans la texture de Sonic, quoi. Voilà. Le désert. J'aime bien, il n'y a pas de transition comme ça, le désert, allez hop. Retour à ces idiots, retrouvons Shadowlack qui va se cacher dans cette pyramide. Là on peut jouer Shadow un peu. Ben ils l'ont déjà trouvé puisqu'il y a les deux, il y a les robots. Hein. Oui, c'est vrai que... Là on peut pas. Il y a vraiment des abrutis ici. Hein. Oh, faut préciser que c'est vraiment pas très maniable ce truc. Enfin, quand tu veux faire des demi-tours comme ça. Ah. Ouais, surtout qu'on n'a pas ce qu'il faut encore. Ouais. Au moment où on aura en fait la capacité de planer, ce sera bien plus agréable à jouer. Mais ça, il faudra attendre le troisième niveau quand on sera sur l'arche. Et oui, on se poit la mort. Y a pas de respect. On vous emmerde. Qu'est-ce que je fais? Ok. Voilà. Et par contre, y a un truc que je comprends pas. Attends, on va le voir après. Je sais pas si on les voit là. Y a des robots singes. Mais du coup, c'est Robotnik. Oui, oui, c'est les robots de Robotnik. Il est... Alors, je sais pas s'il les bute en fait, lui. Je sais pas s'il y en a. Mais que Ted, il y en a en tout cas. Mais. C'est complètement con. Ce jeu, il aurait dû avoir un. J'aurais préféré affronter. Je sais pas, ils auraient pu faire au moins la moitié des robots du Dr. Robotnik. Ou je sais pas, même faire un reskin. Au pire des cas, pour montrer que c'est les robots du Dr. Robotnik. Parce que là, dans l'arche, on peut... Attends, mais ce
qui m'a fait rire, c'est quand tu vas dans l'arche et que tu vois que l'arche est soi-disant abandonnée. Oui. Mais t'as toute la famille des putains de robots de gouvernement. Oui, c'est ça. C'est... Et le gouvernement, il voit que ces robots sont en train de se faire détruire. Et il se dit non, c'est bon. C'est rien. Oh, il doit simplement faire son shopping, hein, on peut le laisser, hein. C'est pas comme si on avait une arme qui peut être le monde. En fait, je crois que tout le monde est con dans l'histoire. Non, mais c'est ça. Putain, va pas trop vite, hein. Le seul mec qui... non, quoique Eggman est moins con, il reconnaît, il fait la différence entre Sonic et Shadow. Bon, on va dire peut-être de loin peut-être on peut confondre, mais bon... De loin, c'est vraiment par silhouette. C'est ça. Silhouette, ombre, Shadow. Oui. Yo. Dès qu'il souhaite, il fait yo. Ouais. Y'a pas d'autre son, c'est yo. Ouais, parce que ça vient du japonais et... Et ils ont pas traduit. Faites de la poterie. C'est A, T, A, E, Y'a. Non, là, c'est pas ça, c'est yo. T'imagines une conversation avec tout ça? Putain! Yo! I'm the coolest! Froggy! Did you see my froggy? Bienvenue à la table d'Itami et Philatoras, hein, nous prions d'attendre là avant le futur gameplay. Yeah! Ouais, Froggy! Yosh! C'est une phase de plateforme sortie et voilà! No. Dégueulasse! Et tu te fais écrabouiller, hein! Mais je déteste ce passage. Allez, évidemment, on se retape. Allez! Ouais, surtout qu'on n'a pas trop plané. T'imagines la table. Toujours pas d'une. Merde. Y'a pas d'élan, c'est chiant, c'est. T'imagines la ta. Une... Tu sais qu'on appelle ça. Tu sais. Merde. Bon, je redirai quand je me rappellerai. Ça me fait trop dire. Speedrun. Par contre, le thème du Dr. Robotnik, il faut l'avouer. Il envoie du steak. Mais bon, un Sonic sans un bon OST, c'est pas un Sonic. En fait, c'est ça qui est, c'est ça qu'on retient sur ce du jeu. Ah tiens, j'ai lu une news sur Sonic Force. Ah. Il disait que. En fait, il voulait redonner un. C'était le mot, mais. En gros, ils veulent faire un bon jeu. Enfin, ils veulent plaire au jeu, aux fans, mais aussi faire des trucs. En gros. C'est pour ça qu'ils prennent Classic Sonic? Je sais pas. Parce que Classic Sonic, c'est pas nouveau, ça. Ils veulent revigorer la licence, voilà. C'est... Ben, au pire des cas, si Classic Sonic il y est, mais que ça soit juste, tu sais, qu'on ne voit pas Sonic et Classic Sonic en même temps, ok, encore. Parce qu'en gros, il disait que... Oui, on a eu du mal à faire évoluer la licence au fil des années. On a bien vu ça. Bah, on espère tous pour Sonic, hein. Je pense qu'on pourra pas avoir pire que Sonic 2, c'est bon. Ouais, je vais montrer ça, voilà. Après, je ne dis pas non plus d'abandonner les idées que vous avez faites, mais... Le problème surtout avec ces idées, c'est qu'elles étaient bonnes, mais vous les avez jamais développées à fond.
Parce qu'au final, on va redire, mais comme je l'avais dit en précédente vidéo, par exemple, Sonic and Black Knight, s'ils en auraient fait plus un open world, ça aurait été un jeu génial, un open world à la Zelda. Oui. Avec des phases de vitesse à l'extérieur et des phases un peu plus plateforme et aventure. Ça, après, on va me dire, oui, ça serait un gros open Zelda, de Zelda, peut-être, mais le jeu aurait été largement mieux. Bah, limite, ils s'en foutent, enfin, ouais, ils s'en foutent, mais dire, Nintendo possède Sega, donc. Bah, je sais plus, c'est quoi déjà. Je sais pas s'ils possèdent Sega, mais ils ont des droits, quoi. Fin... Ils ont des droits, hein. Mais du coup, voilà. En tout cas, Sonic 4, moi je le souhaite. Hein. Oui. Je souhaite que ça redonne à Sonic. Mais j'espère juste qu'ils. S'ils disent que c'est nouveau, j'espère juste que. Qu'ils vont pas utiliser ce classique Sonic comme une excuse. Mm. Parce que c'est rien de nouveau, ça. Ouais. Ouais, juste laisser ça. Je sais pas dans quelle année ils sont, mais c'est quand même des trucs vachement futuristes, quoi. J'adore le petit grattage de cul, il est magnifique, c'est. Je me gratte mon beau derrière. Non mais... Je dois dire Chaos Emerald avant de l'avoir, c'est avant de... Non mais le pire, c'est les humains pour chasser pour une Chaos Emerald. Ça, ils en ont mais... rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, ils savent même pas l'utiliser. En plus, le gros plan, quoi. C'est ça. Ça serait l'œuvre de Sonic. On dirait plutôt l'œuvre de Shadow. Putain, mais il est noir. C'est parce que je suis noir, c'est ça. Même les flics à la frontière. Regarde, même Shadow le dit, quoi. Tu crois qu'il l'accuse parce qu'il est noir? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais même Shadow le dit, quoi. Shadow le dit, s'il te plaît. Maria. Là, tu comprends rien, t'es là, ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Shadow, je t'en souviens, fais-le pour moi! Regarde, même la texture des cheveux est mieux que tout, quoi! Par contre, la gueule, elle est moche! Oui, la gueule, elle est moche, mais les cheveux, putain, ils sont bien faits, je trouve! Mais bon, ils sont pas. Les mecs 2001, quoi! La promesse pour les habitants de cette planète! Mais tous les tuer! Oh mais vengeance! Il a tout compris. Il est dangereux. Et non. Il est dans. Attends, c'est quoi? Il est dangereux ici. C'est vengeance. Voilà. C'est vengeance. Donc c'était lié, hein. Il est dangereux ici, c'est vengeance. C'est la phrase la plus épique au monde. Oh, Gamma avait tout compris. Fallait laisser Shadow tranquille. Maintenant. Il est dangereux ici, c'est vengeance. Bon, du coup, on va rater là. Bah, je pense, oui. Allez. On se retrouve dans le prochain épisode. Allez. Et rappelez-vous. Ce n'est pas que vous êtes la forme de vie ultime. C'est vengeance. Voilà. C'est pas... Il est dangereux dans ce jeu, il est vengeance.